Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Warhammer Vermintide 2. C'est un jeu où vous prenez un personnage, un héros, et vous pouvez monter ses compétences en tuant des monstres dans des missions, et voilà quoi. C'est un petit mélange de jeu à la For Honor, je trouve, en niveau personnage, et un mélange de Seigneur des Anneaux, je trouve, pour attaquer quoi. Et c'est la première personne, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la base, votre base, où vous êtes. Donc quand vous apparaissez presque toujours ici, je pense. Voilà, jusqu'à présent, je suis toujours apparu ici. Donc après, derrière, vous avez un peu de vue. Vous pouvez pas y aller, quoi. Une jolie vue, c'est tout. Et pas grand-chose. À gauche, ici, quand vous rentrez, ici, c'est pour sélectionner vos héros. J'ai fait une, si jamais vous voulez, savez pas qu'est-ce que c'est, etc. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Héros. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez sur Héros et je vous montre ce que c'est. Après, en haut, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout du... Vous voyez, c'est un peu de la visite, quoi. C'est juste pour se balader, quoi. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste de la décoration. Un peu dommage, mais bon. Pas de choix. Décoration, il n'y a pas grand-chose. Balader. Il n'y a rien. À mon avis, là, il y aura des trucs quand je vais gagner, à mon avis. Vu qu'il y a des tableaux ici. Tableau là, là-bas. À mon avis, ça sera des trophées, à mon avis. Plus tard. Quand vous aurez bien avancé dans le jeu, il y aura sûrement des trophées. Ici, dans la cour, là, il y a le... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Un mannequin. Mannequin, voilà. Cherchez mannequin d'entraînement. Faire vos dégâts, et comme ça, vous pouvez voir, allez. 950, vous faites hop, vous faites deux dégâts, voilà. Voilà. Après, ici, vous pouvez tester les fléchettes et toutes vos unités. Là, équipez vos talents pour le personnage. Donc, si vous savez pas qu'est-ce que c'est, j'ai fait une vidéo talent. Comme ça, je vous montre ce que c'est, les talents. Vous pouvez vous taper talent sur ma chaîne YouTube et vous pouvez les voir. Là, il y a même un entraînement, mais avec bouclier. Parce que là, vous avez vu, j'ai tapé dessus, ça fait beaucoup moins mal que si je fais celui-là. Largement moins mal. Le tir est bouclier, il a une armure en fer. Donc, voilà. Après, donc c'était ici. Ici, vous avez vos coffres. Butin de guerre. Enfin, coffre ou butin de guerre. C'est ce que vous ramassez à la fin de chaque mission que vous faites. Vous avez plus ou moins, vous pouvez en gagner avec vos défis et tout. Donc c'est ici que vous les récupérez et que vous les activez pour trouver vos objets à l'intérieur. Là vous avez le livre des défis. Donc dedans vous avez tout ce qui est défis et quêtes et tout qui s'active dès que vous les faites, des quêtes quotidiennes et tout, il y a tout là-dedans. Donc si jamais vous voulez le voir, j'ai fait aussi une vidéo. Vous tapez défi de cri et vous le voyez. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Pareil pour les butins et tout. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Butin de guerre. Et vous raderez au coffre. Et voilà. Vous raderez ma chaîne YouTube. Là, vous tournez à gauche et vous avez votre forge. Ça permet de forger vos armes pour qu'elles soient plus fortes, etc. quoi. Donc c'est pareil. J'ai fait une vidéo. Vous verrez, vous tapez Forge sur ma chaîne YouTube et vous pouvez voir ce que c'est. Donc après, hop, ici ce sont les missions pour pouvoir lancer vos missions. Pareil, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Vous tapez mission sur ma chaîne YouTube et vous pouvez voir comment ça se passe, comment les lancer, etc. Après, ici à droite, là, c'est pas la mûrie. Ici, vous avez les équipements. Donc c'est pour remettre vos armes sur vous, équiper vos armes en principal, secondaire, collier, etc. C'est pareil, j'ai fait une vidéo aussi, donc vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube comment on fait. Après, ici, vous avez la cosmétique. C'est pour l'apparence de votre personnage et vos armes. C'est pareil, j'ai fait une vidéo si vous voulez voir comment ça se passe. Après, ici, vous descendez, c'est pareil, c'est un peu de... Il n'y a rien de spécial. C'est juste de l'esthétique, il n'y a rien.
Les donjons. Esthétique. Allez, vous avez les chaînes si vous les avez vous attachées. Voilà. Esthétique, rien du tout. Ça fait tout le tour. Ouais, voilà, je suis revenu. Ben voilà, je vous ai un peu montré tout ce que vous pouvez avoir dans votre base. Donc elle va grandir petit à petit, je pense. Surtout par rapport au tableau là, à mon avis, j'aurais bien avancé. On pourra faire les. À mon avis, il y a des trophées à mettre dessus. Et voilà, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et bonne journée à vous!